Allô ma chérie, c'est toi? Oui, c'est bien moi, comment vas-tu? Très bien ma chérie. Que va-t-on faire aujourd'hui? Je te l'ai dit l'autre jour ma chérie, on va créer des végétaux. Super mamie, ça te convient si je viens vers 14h? Parfait ma chérie, je ferai ma sieste avant. À tout à l'heure mamie, bisous. Ah mais vous étiez là, petit cachotier. Donc je pars chez mamie, ensuite je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc à tout à l'heure les amis! Ici le studio, que puis-je faire pour vous? Bonjour, c'est Hello, j'aimerais que ça soit au plateau 34, s'il vous plaît. Très bien, Hello, je vous ouvre. Parfait, merci Paul. On se retrouve sur le plateau, donc cette semaine, pour cette émission, on va voir tout simplement tout ce qui est un peu végétaux, tout ce qui est plantes, un peu comment on pourrait présenter ça dans des environnements, en gros, pour pouvoir embellir vos espaces, tout simplement, que ce soit au niveau de l'extérieur ou de l'intérieur. Quand à l'intérieur, vous avez des grands espaces, par exemple, vous pouvez mettre facilement une petite plante ou un petit buisson, un petit arbuste, histoire de pouvoir ajouter un peu de cachet dans vos bâtiments. Donc voilà, c'est parti. Donc ma première astuce, c'est celle-ci pour faire un petit bac à fleurs. Donc vous allez tout simplement, hop, mettre de la terre comme ça, même le sol, et autour, vous allez poser des petites trappes de chêne. Hop, comme ceci, touc, et on les ferme pour qu'elles soient en position haute. Et dedans, bah, vous allez mettre des petites fleurs, voilà, pour faire un petit peu joli, on va dire. J'adore quand c'est un peu coloré, vous voyez, ça rajoute un peu de cachet et de gaieté dans vos environnements. Donc voilà pour la première idée. La deuxième astuce, c'est celle-ci, celle que beaucoup de gens connaissent. Donc tout simplement, vous allez mettre un bloc de dirt, enfin, de grass du moins, avec des petites trappes de chêne autour, comme ça, hop, et vous allez mettre une fleur dessus, et voilà, ça vous fait un petit pot de fleurs en plein milieu de votre salon, ça pourrait être assez sympa, donc voilà. Une autre idée, c'est tout simplement celle-ci, donc voilà, hop, on va mettre trois blocs de dirt, après vous pouvez faire plus ou moins long, c'est selon vous, des dalles de roche tout autour, hop, comme ça, et dedans, bah, vous mettez vos fleurs, hein. Hop, hop. Et voilà, tout simplement, et vous pouvez mettre ça, par exemple, si vous avez des rues avec des trottoirs, bah, sur votre, à côté de votre trottoir, à côté de la route, bah, vous pouvez mettre des petits bacs de fleurs comme ça, autour de votre trottoir, pour un peu embellir, bah, vos rues, quoi, tout simplement, et ajouter un peu de couleur. Voilà pour cette astuce. Une autre idée, c'est tout simplement celle-ci, celle d'un petit arbuste, vous voyez. Donc, j'ai monté 3 de hauteur. Hop, une, deux, trois. À la troisième hauteur, j'ai commencé à mettre sur deux hauteurs des petits buissons sur les côtés, enfin, du petit feuillage. Hop, comme ça. Tac, tac. Et là en haut, bah, vous remettez de haut et ça vous fait un petit buisson comme ça, assez sympa. Et vous pouvez mettre ça un peu n'importe où, là où vous voulez. Ça passe assez bien dans les environnements. Donc voilà pour le premier arbuste. Alors, on va avoir directement trois types de buissons différents. Donc, tout simplement, là, je vais mettre une glowstone et autour, je mets des trappes de sapin. Ça vous permet d'avoir de l'éclairage dans vos pièces, cachées, calfeutrées, avec deux petits buissons au-dessus, enfin, deux petits feuillages, pardon. Là, on peut faire la même chose, vous voyez, mais en mettant une petite bûche, pardon, de chêne, par exemple, ici. Là, je pourrais mettre du jungle avec des panneaux de chêne autour, comme ceci. Hop! Comme ça, tac, et le dernier, et je mets sur un de hauteur, et au-dessus, je mets une petite dalle de chêne. Voilà un peu comment ça rend. Donc, c'est des petits arbustes, des petits buissons qui peuvent améliorer un peu vos espaces. Par exemple, si vous faites une mairie ou je sais pas quoi, bah, avoir ça à côté de l'entrée, par exemple, ça pourrait être assez sympa. Donc, voilà pour les idées. Donc là, on va voir des façons différentes de faire des petits arbustes avec différents éléments. Donc par exemple, un chaudron et vous mettez deux feuilles au-dessus. Ou alors avec une enclume, par exemple. Hop, tout simplement, donc il faut shift. Et avec des pots de fleurs, bah, vous pouvez mettre par exemple un arbuste mort. Vous pouvez mettre un cactus ou vous pouvez mettre également un petit bambou. Et au-dessus, bah, ils mettent du feuillage, tout simplement. Donc, une hauteur, je trouve que ça fait trop petit. Donc souvent, moi, j'en mets deux. Mais après, vous pouvez en mettre qu'un, par exemple. Et je fais ça avec chacun de mes pots. Et voilà, ça rend comme ça. Et après, c'est en fonction de la base que vous voulez à votre arbuste. Mais voilà, c'est des idées assez différentes. Et vous pouvez faire également la même chose, par exemple, avec une petite barrière de chêne. Et hop, vous mettez sur deux ou trois de hauteur. En fonction de ce que vous voulez et de la hauteur de vos espaces. Donc voilà pour les petits arbustes en pot.
Alors, on va voir d'autres arbustes. Donc, tout simplement, vous allez prendre un petit bac. Hop, vous mettez une grasse. Vous allez mettre des petites trappes de spruce autour. Ou de sapin, enfin voilà. Et vous allez mettre un petit, une petite... 1, 2, 3, on va y arriver, je vous jure. Hop, une petite barrière de chêne. De hauteur de feuillage. Et voilà. Après, ce que vous pouvez faire pour avoir un truc qui est plus grand, c'est tout simplement, bah, vous mettez sur 2 de hauteur. Si vous avez vraiment un espace important ou si vous êtes en extérieur. Hop, 2 barrières de chêne. Hop, vous allez mettre tout simplement 5 comme ça et 1 au-dessus. Et voilà, ça vous fait un petit buisson avec une... Ça fait comme si le buisson avait une petite... était en forme de boule, en gros, un peu. C'est un peu ça, le principe. Le dernier buisson, c'est tout simplement celui-ci. Avec 3 barrières de chêne noir. Et vous allez mettre tout simplement autour. Hop, voilà, comme ça, du feuillage. Et il y a un endroit où vous allez mettre une excroissance, par exemple, ici. Vous allez monter à 2 de hauteur vos buissons. Vous voyez. Et vous allez en mettre un dernier ici. Et en gros, vous mettez des excroissances là où vous voulez. Par exemple, là j'en ai une ici. Bah, j'en mets une aussi ici, à l'arrière. Et on essaie d'avoir un truc un peu difforme pour donner un peu du relief au niveau de votre petit arbuste. Donc voilà pour les idées. Alors, une idée que j'aime bien souvent quand je fais des trucs publics, etc. Dans des décors. Je vais mettre 2 escaliers. Hop. Comme ceci, enfin 3 comme ça, vous voyez. Ici, je vais mettre une petite grasse. Et là, sur les côtés, je vais mettre des dalles, des trappes, pardon, de spruce. Je vais mettre les escaliers comme ça. Tac. Hop, comme ça, vous avez vos accoudoirs. Et ici, bah, je vais mettre une plante. Et ça fait un petit décor, par exemple, dans un petit parc pour pouvoir s'asseoir et tout. Et avoir un truc un peu avec un peu de gaieté. Bah voilà, je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà pour la dernière astuce. On se retrouve pour la fin de l'émission. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu des petits endroits où on peut mettre des plantes, des petits arbustes, des petites plantes en pot, etc. Pour pouvoir vous montrer un peu comment vous pouvez décorer vos espaces. Parce que c'est quand même assez important. Niveau décoration, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous voyez, quand vous construisez quelque chose, c'est vraiment essentiel d'avoir quelque chose qui est beau en extérieur. Après, à l'intérieur, on ne rentre pas forcément, vous voyez, mais voilà, je vous donne toutes les astuces qui me viennent en tête et tout, et j'apprécie fortement faire cette émission. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la première partie sur les lampadaires, où je vous réserve quelques petites surprises. Donc, je vous laisse là, je vous remercie d'avoir regardé l'émission, et on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous et bye bye à tous. Émission télé présentée par Hello, vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Hello MC, n'hésitez pas.